Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle run Isaac Repentance. Et on va jouer Jacob, Tainted Jacob. Y a pas SO. Ça semble être une bonne nouvelle. Repent for your sins. Repens-toi de tes péchés. Et on a un activable qui s'appelle Anima Sola. J'espère qu'il est mieux que l'autre, hein, parce que là, moi j'en peux plus. Hein. Ah oui, il est seul. Ah, peut-être qu'Anima Sola... Toujours essayer hein, l'objet quand il y a des ennemis, on sait jamais, voilà. Et là, on vient de découvrir qu'Anima Sola, qui se recharge apparemment, permet d'enchaîner les ennemis et de les... C'est trop bien. Genre, toi, calme-toi. Comment... Alors, je pense qu'il est pas gentil. Je pense qu'il est vénère. Je pense qu'il est très vénère. Attends, mais il me suit partout. Au secours, mais dégage. Oh là là, l'enfer, ça me rappelle quand on a débloqué The Forgotten. Avec le pied de maman qui fout la pression. Faut être en mouvement permanent, au secours. Puis l'attaque, hein. Ah, apparemment, il est invincible. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ah, mais c'est trop fort, le jeu, là. Oh, calmos. Voyons. Ah, il me suit jusqu'au bout. Vas-y, là. Ah, oh, j'ai Anima Sola, le fou. Ah, il me lâche pas du tout. Toute la run, je vais l'avoir sur le dos. Horrible. Ah, je peux le... Ouais, je peux vraiment le... Ah ouais, ça le... Ça, c'est... On est tranquille, c'est un peu comme l'appel. Hein. C'est pour ça que le parallèle avec Forgotten n'était pas si idiot. Mais... Et ça s'arrête là. Putain, le nul. Putain, mais il a pris cher, là. Le boss, il s'est fait one-shot la moitié de sa barre. C'est l'autre qui lui a fait mal. En cube of meat, c'est pas ouf. Du coup, avec le stress, on n'a même pas été ni au magasin, ni à l'item room. On peut tuer les cacas? Genre, si je me mets là... Putain, c'est chaud. Ah ouais, il tue les ennemis. Putain, mais c'est chaud à jouer! Mais c'est intéressant par contre. Par contre, c'est intéressant. Donc, si tu Anima Sola, le méchant. Bah, c'est le SO, hein. Tu le Dark SO, là, tu le bloques avec la chaîne. Et une fois qu'il se défait, il faut que tu sois sur sa route pour qu'il aille tuer les ennemis. Mais c'est chaud. Oh, fais un effort, ils sont là, les cacas, là. Par contre, il m'en veut à moi. Ouais, c'est bien. Ah bah là, il sert à quelque chose. Là, c'est bien. Alors, c'est stressant. Enfin, stressant. Ça a l'air chiant, mais... Je préfère ça à avoir deux persos à contrôler en même temps. Je sais pas pourquoi. Horrible sale! Mon Dieu. J'arrive pas. J'arrive pas à me placer parce que les fatis, ils cassent les pieds, là. Super, des cœurs, j'en voulais. On est dans un XL ou quoi, là? Faut que je me repentisse. Ouais, il fait vraiment mal quand il rush. Bon, j'ai retrouvé un ventilateur. Heureusement, hein, parce que sinon j'allais crever. Hein. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est une run plaisir. Oh. On a combien? Est-ce que... Ah non, boss rush, ça serait impossible. Hein. Pourtant, je sens beaucoup plus faisable un boss rush avec Tainted Jacob qu'avec le Jacob normal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est beaucoup plus gérable pour moi, je trouve.
Je gère beaucoup mieux ça que deux persos. C'est très curieux. Et du coup, c'est peut-être lui dont on parlait. Ah, mais il est plus là. Il vient pas tout le temps. Ok, j'ai deux clés. Ah, c'est peut-être parce que j'ai utilisé Anima Sola trop de fois. Et au bout d'un moment, il tolère pas, quoi. Il fait, oh, comment ça? T'as attaché un autre ennemi que moi? On n'avait pas l'habitude avec nos petits jeux. J'ai d'habitude, on partage pas. Au secours! Putain. J'ai envie de garder mon cœur rouge, s'il vous plaît. Enfin, mes cœurs rouges. Oh non, il arrive. Ah, en fait, t'as un certain temps, en fait. C'est pas l'utilisation de... Du Anima Sola. Mais bon, putain, les tirs... Rebonde, c'est mort. Comment ça? Mais je l'ai pas vu. C'est à cause du Curse of Darkness, là. Mais... J'ai l'impression qu'il m'a pas fait mal, en fait. Alors que... Pour autant, j'ai l'impression... Enfin, ou alors, j'ai réussi à esquiver son hitbox, mais... Pour moi, il me tue. Enfin, il doit peut-être me faire perdre un cœur. Un cœur complet, ça doit être un truc comme ça. Un peu comme un ennemi d'élite. Ouais, bravo, bien joué. Du coup, bah, Devil Deal dans le fion, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Malgré les tirs roaming, tire dans le fion. Tire dans le fion, non, pas tire dans le fion, pardon. Pousse pas ma bombe, hein. Non, ça va. Voilà, déjà, le cœur bleu va faire plaisir face au boss parce que... Parce que, en fait, on a besoin de garder le Devil Deal. Les 36%, si on peut les avoir, je cracherai pas dessus. Voilà, 10 à KPV. Oh bah, on a eu de l'aide. De la part du... De la part du fou. Je voudrais bien trouver le magasin, par contre. Merde, j'aurais dû orienter. J'utilise pas assez le Anima Sola, en fait. Oh, la couche usagée. Je pue. Il est survénère. Le school bag. Le school bag, mais on n'a pas la thune. Clairement pas. On va aller à l'item room, bien sûr. On va même aussi faire le vault. C'est pas beau. Capricorne, oui, oui, oui. Oui, 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 Capricorne, oui, oui. Voilà, ça y est, on prend du poil à la bête. Il suffisait d'un Tainted Jacob et tout était pardonné. Oh ouais. Bah là, on peut acheter le school bag. On va pas faire une donation. On pourrait même la péter, la machine de don, si on voulait encore plus de thunes. Mais si, on veut plus de thunes. Ah putain, on pourrait même acheter le bracelet si on voulait. Ce qui serait pas déconnant parce que... Vas-y, tu files deux balles, toi. Oh le bâtard. Bon, on a nos 10% de plus, c'est déjà bien. Et heureusement que je l'ai fait, merde. Je viens de me rendre compte que... J'aurais dû y penser dès le début, quoi, à l'exploser pour mes 10%. Ah, attends. Le boss. On fait ça. J'essaie de rester. Oh, il l'a one shot. Oh merde, le Devil Deal. C'est trop bien. Bon, pour l'instant, j'aime beaucoup ce perso. Pour l'instant. J'insiste sur le pour l'instant. Alors que le stream repart dans les oubliettes. Ah, mais de toute façon, hein, le stream ce soir, c'est mort. Et j'en suis navré. Par contre, n'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, parce que pour le coup, l'enregistrement, lui, se passe très bien.
Je suis vraiment désolé, on est encore en dispositif 4G, Orange, Airbox, tout ça, le temps que la fibre arrive. Oh non, le revoilà. Après, moi, je l'aime bien hein, quand il s'agit de one-shot les boss, hein, donc... Voilà, par contre, c'est un peu relou. Mais c'est quoi ces rebonds? Je vous promets que c'était pas comme ça avant, hein. Ils ont patché, hein. La plupart des ennemis qui font des diagonales, maintenant, ils font des rebonds improbables. C'est un scandale. Oh. Oh. Il a failli me défoncer. Marc, il a one-shot le boss. J'ai vraiment pas envie qu'il me one-shot moi. Faudrait qu'on l'essaye, mais... J'ai envie de faire un unlock avec lui plutôt que... Pourquoi j'ai posé une bombe? Pourquoi j'ai déposé l'une de mes rares bombes? Bon, tout est pardonné. On a récupéré une bombe. Ah, voilà pourquoi on fait pas le boss en premier. Oh yes. Ouh, le plaisir. J'allais dire, voilà pourquoi il faut farmer, mais franchement, c'est tellement rare d'avoir des cœurs bleus. Judgment. Judgment. Ouais, j'aurais dû faire peut-être un mendiant de sang. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Il me fout un coup de pression là. Pourquoi je vais là? Je suis pas mort. Je suis The Lost. Oh mon dieu! Et s'il me retouche du coup? Je meurs définitivement ou... Ah j'ai pas de Holy Mantle en plus hein. Oh mon dieu! Oh mon corps a disparu! Mais bon je peux prendre la thune. Et avec un Lucky Penny. Oh mon dieu! Ah je pense que prochain hit je suis mort. Hein. C'est donc ça! Il se passe ça quand il me touche. C'est horrible. Ah oui, la bombe de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop, hop. Ah bah, c'est le truc qui tire des yeux. Oui, c'est ça, voilà. Ou alors, je me mets de ce côté. Ah, il lui a infligé pas mal de dégâts. Le Anima Sola se recharge. Il fait peur. Vite, vite, cassons-nous. Mais je vais rester The Lost toute la partie. J'espère que non. Ah oui, c'est ça. Ça reset à chaque étage. Ouais, encore heureux, ça serait injouable sinon. C'est l'enfer, ces araignées. Elles sont devenues chiantes. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Bon, la cuillère, elle régale, hein, quand même. Putain, j'ai niqué une bombe. Enfin, une clé pour une pauvre bombe. Mais t'arrives trop tôt, toi. On n'a pas le temps de s'amuser. Ça vient qu'il soit là juste pour le boss, quoi. Il m'énerve. Mais bon, il a tué le monstre. Ah oui. J'ai réappuyé et en effet, ça le libère. Très intéressant. Et des strats. Genre comme ça. Oh, c'est le plaisir. En fait, tu peux t'en servir. Tu le libères pile au moment où t'as envie. Oh putain. Ok, on a récupéré une clé, c'est bon signe. Genre là. Et paf.
Et c'est mal timé, mais voilà. Mais l'idée est là. Oh mon dieu. Il va me retransformer en Lost. The World. The World avec une... Crotroom ? Oui. Oh non. Bah tiens, Anima Sola et... Tac ! Oh, putain, j'ai failli me le prendre également. On a 3 bombes. On a 3 bombes, on a plus de clés. Heureusement qu'il décale pas les bombes, hein, parce que ça serait vraiment un crise de nerfs. Ok, on récupère des clés, ça fait plaisir. 33% de God Room. Un peu plus grâce à cette bombe. Mes yeux là qui pop. Quel enfer. Très très bien, Sinus Infection. Très bien. Et on se dirige gentiment vers le boss. Moi je trouve que cet étage est rondement mené. Modulo quelques petites erreurs d'exécution. Mais j'y ai attaqué off-screen, quoi. Oh là là, j'en peux... Voilà, on t'arrête, là. On vous arrête. On devrait l'anima Sola dès le début, en fait. Moi, je savais même pas où il était, là. C'est quand même injuste. Oh là là, l'horreur. L'araignée elle m'a rush. Dégage. Ah non mais c'est l'horreur, le coup du Lost là. Faut vraiment pas se faire toucher. Hein. Horrible. Allez on restart. On restart parce qu'il y a un potentiel mais... Par contre je suis dégoûté parce que... j'avais la cuillère quand même. Hein. J'avais the fucking cuillère. Bon, maintenant que je sais que je peux le libérer avec avec Anima Sola, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir mieux le manipuler pour les boss et tout ça. Et les salles chiantes, avec les mythes, avec les petites araignées jaunes, là. Genre comme ça. Voilà. Voilà, sur des ennemis relous, c'est juste trop bien. Il faut juste pas se faire toucher. T'es nul. Oh putain, je prends des risques. Putain, je l'ai loupé. Mais je fais de la merde aussi, faut dire. Comment je fais... Comment je peux me faire snipe par l'ennemi d'élite? Au bout d'un moment, voilà quoi. J'aime bien. C'est chaud, mais j'aime bien. C'est intéressant à jouer au moins. Item room. Mom's compte... non, c'est Mom's Eye. Alors, c'était pas forcément une bonne idée, les boutons, hein. C'est rarement bien. Parce qu'il m'a pris d'appuyer dessus. Oh, peut-être pour cette raison. Edge key. Lock up et deux clés. Ah, puis un cœur bleu aussi. Ah. Ah. Ah, pas bonne nouvelle, là. Oh, il a une drôle de forme, cet étage. Il est très symétrique. Non. Une clé pour deux bombes. Putain. Je hais ma vie. On sait que c'est là, c'est bon. Voilà. Au bout d'un moment, ça... Au bout d'un moment, il y a une espèce d'évidence. Bon, je suis dégoûté parce que vraiment, la run... Parce que la run précédente avec la cuillère me manque.
Oh, il a pris tellement cher. Le rouge à lèvres. Maman me fait un bisou. Eh ben, c'est parti, avançons. Ah oui. Ah oui. Par contre, j'ai pas de DPS, c'est horrible. Oh, on voit encore les maillons de la chaîne qui ont été brisés quand l'ennemi s'est libéré. On devrait pas tarder à arriver là. Eh oui. Putain, je reste dans le trajet. À chaque fois qu'il arrive. Oh là là, putain. Putain, mais fais un effort. Ah, même en passant, même sans foncer, il fait mal. Ok. Il est le petit. Oh. Doucement. Oh, maintenant que je sais qu'il peut me transformer en The Lost, c'est beaucoup plus stressant. Mon dieu, les araignées. Putain. Ah la baise, quoi. J'ai fait crever. Ouais. Ah merde. Ah putain. Je prends des risques, j'adore ça. J'adore les risques. Le belly button. Attends, belly button, c'est quoi? C'est trinket? Ouais, c'est ça. C'est double emplacement de trinket et un trinket. Un peu comme le Mom's Purse. Du coup, je vois pas trop la différence avec le Mom's Purse. C'est quoi l'intérêt d'avoir Mom's Purse? Ok, je croyais faire Anima Sola et en fait j'avais une pilule qui m'a donné Balls of Steel. Parce que ça serait pas le plaisir. Oh puis Jesus Juice. Damage, range up, j'ai vraiment l'impression de jouer The Lost en fait. Mais vraiment le perso The Lost. Où tu dois pas te faire toucher. Et c'est cool d'avoir des dégâts. Et du coup j'aurais pu faire le Devil Deal. Qu'est-ce que ça aurait donné? Ah non mais je me déteste. Combien de fois je me suis fait avoir comme ça? Mais c'est un nombre incalculable de fois. Plein de fois j'ai pris son tir diagonal. Hein. C'est insupportable. Bon, y a quoi ici? Ok, oh il arrive. Il arrive dans des salles où c'est dur d'esquiver. Quelle baise! Ah là là! Ça y est, je commence à détester ce perso. On réessaye? Ah non, non, j'en démords pas. J'en démords pas. Les ennemis, ma gros direct. C'est quoi ce caca agressif là? Tu vas te calmer, oui? Oh! Dis donc! Attendez, je vais mettre le ventilo en mode tourni parce que je vais attraper la crève. Parce que la dernière fois c'était le cas et j'en ai eu pour une semaine de nez bouché et de nez qui coule et d'éternuement, alors c'est bon. Un petit rafraîchissement de temps en temps, voilà, au passage, mais pas plus. Bah oui, je sais, je suis un peu lent là. Putain, j'ai loupé le gros. Bah oui, on joue bien, hein. Mongolo, quoi.
Il y a un cœur bleu. Il faut une bombe. Ah, ok. Ah, des gros objets là. Hein. On kiffe beaucoup. On kiffe la vibe avec notre mec. On va aller à haut. À l'item room, bien sûr. Zéro ressources. Hein. Oh, le freezer baby. Il est agréable, hein, lui, on est d'accord. Hein. C'est un bon starter, ça. Je n'aurai aucune vergogne. Je farmerai. Bon. Pas de bombe pour libérer ce cœur bleu. Non, on va pas le libérer, on va bien attendre. Voilà. Je vais encore me faire toucher. Ok. Il y a un demi-cœur bleu, rouge là, ouais. Lâche-moi, Psycho. Il a sauté, connard. Connard. J'en peux plus des ennemis qui... Voilà, ché. Oh, mais non, mais box, quoi. Putain, je me déteste. Bon, on a des bombes. Allez, on joue pilule, something's wrong. La carte, c'est quoi, The Hermit, ok. Ah, le grand cordon, là, ombilical. C'est bien, ça, comme trinket, ça. Le tapeworm, là, c'est un gros range-up. C'est bien la range. On va chercher le cœur bleu. Yes. On pourrait farmer ces feux rouges. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que Dark Esso va me one-shot si jamais j'essaye de le faire. Et dans la seconde d'après, je me prends un tir d'un des feux rouges, vous allez voir. Donc non. Je ne veux pas. Encore une fois, des objets donc qu'on rêve d'avoir. Surtout compost. Oh là là, l'agressivité des araignées. Comment ça, il est déjà là? C'est peut-être au nombre de salles que j'ai traversées. Peut-être qu'à la troisième, il est là, quoi. Bienvenue au début de l'étage. Encore. Putain. J'ai pas encore le timing dans la peau, hein. Je pré-shot un peu trop son... Ok, ça va, on a encore deux cœurs bleus. Encore ça? Putain, mais dans le même stream, avoir tout le temps les mêmes objets, au bout d'un moment, stop quoi. Ennemis. C'est quoi cette salle horrible? J'ai pris un ennemi d'élite, quoi. Mon dieu. Waouh, ça c'est beau. On va le prendre, ouais. Ça y est, il me met des coups de pression maintenant. Oh putain! Bon, encore du dégât.
Ah non, mais c'était la run précédente. Allez, on joue God Room, hein. Je me ravis sur ce perso, je sais pas pourquoi. Sacrifice. Ok. Y'a quoi dans le challenge? Oh là là. Là, j'ai besoin de mes clés, hein. Oh là là. Oh bah, on les a toutes glacées, hein. Génial, au revoir la God Room. Mais ma vie pue. Allez, vas-y. Là. Ah merde, mais j'étais content de jouer ce perso et c'est devenu de la merde. Ouais, bah on va avoir besoin de cœur bleu, ouais, ouais, ouais. Mais des pines en plus quoi. Oui, vas-y, va dans Dark Esso là. Oui oui, va le voir, voilà, très bien. Oh putain, il l'a loupé. Comment il a fait? Comment t'as fait pour l'esquiver? Donne-moi ton secret. Mais vas-y, mais Freezer Baby, il a fait ton taf. Oh mon dieu. Il était rattrapé. Oh putain. Que je fasse d'aller-retour. En fait, c'est comme avec le pied de maman ou... Oui, c'est comme avec le pied de maman. Le pied de maman, si tu fais des allers-retours... ouais, on pourrait faire le boss tout de suite, en fait. J'ai plus de vie, mais oui. Horrible. Oh oui. Oui. Fais-lui des câlins. Fais-lui plein de câlins. Mon dieu. Je vais crever. Comment j'ai survécu? Au secours. Un Magic Eye Ball. Shot speed. The Hierophant. De la pitié. Je suis stressé là. Ah non, mais c'est clair, hein. Tous les ennemis qui font de la diagonale, maintenant, ils rebondissent de manière chelou. Tous. Et ces mouches, je les déteste tellement, quoi. Mais il y aurait moyen d'optimiser, en fait. Tu te fais toucher par ton double maléfique à la fin de l'étage et tu récupères tout ce que tu pouvais pas récupérer. Comme ça, comme t'as clear toutes les salles. Bon, lâche-moi, toi, tu commences à me... Voilà. J'avais deux cœurs bleus, je les ai tous perdus. Félicitations. De la meuf.
lui. Lui d'abord. On va s'occuper de l'élite. C'est quoi ces rebonds? Mais stop à la fin. Voilà, ok, il fait un carnage l'autre là. Oh mon dieu. Mon dieu. Oh le traquenard. Il attaque direct là. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je sais que t'es énervé après moi, mais... c'est mon frérot. Ouais, Dépine. Oh là là. Cool ça. Très très bien. On a 33 balles. Donc le prochain shop sera en solde et donc c'est le plaisir. La item room vite fait. Boss. Encore mais... attends mais y a des centaines d'objets dans le jeu et je me tape vasculitis et mom's eye en boucle quoi. Stop à la fin, on peut avoir des vrais objets? C'est possible? C'est possible de s'amuser? C'est possible d'avoir du plaisir vidéoludique? C'est possible de s'amuser à un jeu vidéo? On dit jeu vidéo, alors je sais plus. Ok, la God Room est enfin là. Le censeur! Bah oui, ça fait tellement longtemps. Le censeur qui va peut-être de nouveau m'aider sur cette run. Ah merde, j'ai pas fait le vault. J'ai voulu rush, je me suis dit on sait jamais, un petit boss rush. On sait jamais. Tout est possible. On profite hein, de faire ce genre de salle pendant qu'il est pas là. Très bien ça. Oh putain! Ça m'énerve la facilité avec laquelle tu peux ouvrir des verrous comme ça. Alors que quand tu veux les ouvrir, ils résistent. C'est une espèce de résistance qu'ils ont codée. Mais elle marche! Pas là où t'en as besoin. Ce qui est quand même un problème. Oh putain. C'est marrant parce que ça crame les ennemis quand ils les rush. Ça crame les ennemis aux alentours. Et donc quand ces ennemis meurent, avec vasculitis, il y a une synergie. Et ils explosent en larmes enflammées. Du coup c'est marrant, c'est... enfin... elle est pas mal la synergie. On va prendre la carte. Strength. Oh, pas mal strength. On va aller à l'item room. Oh le lard quoi. C'est vrai qu'on a besoin de réduire notre speed. L'ennui est présent. L'ennui est très présent. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, au moins on a un petit Magic Mush pendant le... pendant la salle. Je voulais utiliser l'Anima Sola, bordel. Et il a même pas eu de dégâts l'autre. Je hais ma vie.
qu'évidemment, c'est ça que je voulais faire. Je l'ai tellement pas vu arriver! Ah là là, je pense qu'on a fait le tour hein, de ce personnage. Hein. Je pense qu'on l'a clean. On l'a clear à 100%, c'est fait. Du coup, lâchez bien votre pouce vers le haut pour ça. La bise.